Robert Philippe, Jean-Robert Philippe, qui a suivi pour nous de très près ça qui a passé dans Del Rio. Donc, Jean-Robert toujours gagné, moun y a déporté, et puis toujours gagné tout le monde que y a libéré. Mais d'abord, Jean-Robert, dis-nous non, qui dernier développement gagné sous ça qui a passé dans Del Rio? Bon, dernier développement, c'est défilé Sandakari, défilé et quelques militants en droits humains, ou bien militants et groupes de pression, parce qu'on est bien Al Chapton, qui est en tête des délégations qui viennent dans la zone, là, les visiter et zone, là, bien candidat, tout le monde qui est candidat pour poste et conseiller de poste, et bien, même tu es venu tout et à visiter, à regarder côté, à, mais il vient Al Chapton lui-même, il est venu, il a le film fait visiter, mais la société a été en rencontre avec la presse, mais c'est un rencontre improvisé. Mais il y a quelques militants, tout qui était dehors, tout qui était manifesté contre présence, et joué, bien joué. Donc, mais il a fait des classes, il faut faire quand même dans le moment ça. Et puis, Jean-Aubert, nous connaissons que, tant qu'on dit le grand pile, autorité, nous connaissons Alejandro Mayorkas, qui est responsable département sécurité et national aux États-Unis, il était présent. Est-ce que y a l'autre autorité américaine qui est capable? En dehors de, par exemple, Al Chapton qui est une grosse figure et dans la société américaine, non? Non, pas vraiment, parce que ça vient, il y a venu en Katimimi, il a fait visite là, puis il y a allé. Parce que le dossier, son dossier qui beaucoup allé beaucoup, en un niveau beaucoup plus élevé. Parce que les congrès ont entré dans la cause et les congrès, la santé a fait. Et sans les siens des conditions, donc il est normal que l'autorité au même vienne et tout, que Calabre porte. Excusez-moi, je réponds avec le Congrès et je viens quand même pour regarder. Ou loin, Jean, il n'y a pas de problème. Donc c'est normal pour commencer à venir et pour regarder, mais on connaît. Et comment dire, une pression chaud là sous l'administration là, parce que la presse qui est ferme sous le dossier là, et pas de monde qui veut faire là sous ça. Et puis Jean-Robert Philippe, tant que nous prenons le temps de là, OIM parlait de combien, ONM plutôt, parlait de combien moun yo recevoir, et puis pendant ce temps, gen autorité américaine yo tout a bail autorisation pour quelques moun rete sous territoire. C'est ça, tant qu'on regarde des là, son bus qui a chargé là, moun sa fait vini là, c'est moun qui joint aux mains levées de service immigration, et on regarde moun yo qui a monté bus là, dernier là, après média très attentionné. Et bien, ça a monté du salaire puis aller dans l'autre destination, dans l'autre centre. Et côté au bras, continuer le processus là, c'est dans Houston, au Texas. Donc, il y a trois bus qui déjà allaient déjà, et avec minimum à bord, 48 000 en pile là dans le CIA haïtien. Et bien, il y a là, et au cas qu'on voit un contentement, mais ça va qu'on finit selon tout bas, parce que l'aspect légal question a toujours été en évidence. Il y a, par exemple, Moun, et nous avons dit, par exemple, Moun qui est là, il y a d'abord une première comparution, devant officier immigration. Ensuite, non, alors officier ICE, qui c'est officier qui occupe de questions et immigration aux États-Unis. Ensuite, il y a pu aller devant un juge immigration. Et c'est là le dossier a débat commencé. Mais rappelez que Mounio, selon tout ça qu'il dit, il n'y a pas illégal encore. Il y a ces gens qui entrent dans le pays sans documents. Merci Jean-Robert. On a loin plus près. Jean-Robert, ça nous pas temps pour nous répéter pour nous, ok? Immigrants sont passés dans un centre transit dans Del Rio avant de mettre dans un autobus qui menait dans un autre centre, dans un centre au Texas, côté au Pral et prend contact avec la famille jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la destination finale. Yo. Gouvernement haïtien dépêché sous place de consul général Liguin aux États-Unis pour une collecte d'informations sous situation immigrants haïtiens qui sont frontières. D'abord, c'est Woodley Nogajan, qui c'est consul général Haïti dans Atlanta, Georgia, qui lui-même t'a visité centre côté haïtien avec l'autre assistance après le défini ces immigrants qui sont frontières. Donc, c'est une mission conjointe sous instruction gouvernement haïtien que nous amenons au niveau de Texas, Del Rio, une façon pour nous capables porter assistance nous by communauté haïtienne, plus précisément by migrants qui dans situation difficile ça qu'ils vivent. Consul général Chicago à Mac Yves Saint Victor dit deux gouvernements doivent travailler ensemble pour améliorer la situation immigrants. Des deux côtés, parce que c'est des questions de sécurité quand même nationale et que ressortissant ça que
yo dit que c'est haïtien pour nous capable garantir que c'est haïtien. C'est une recommandation qu'on a fait pour capable et suivre le processus qui était déjà établi entre deux gouvernements pour assurer l'identité et monde qui rentre sur le territoire là. Une équipe avocat haïtien qui travaille dans la diaspora et bien yo même tout yo était visité immigrants haïtiens pour te bailler quelques conseils. D'abord n'a faut entendre opinion maître Edi Laguerre qui lui-même c'est membre Bao État Floride avec Bao Port-au-Prince. Pour moun yo konnen, pour fami yo kap koute nou la konnen ou bien pour moun ki la gen deja konnen que ou pa gon carte blanche nan peyi a, protéger tête ou continue dossier a, prend un avocat à immigration pour goumer ak gouvernement pour que yo pa capable voye ou aller parce que son chance ou gagner, yo pa bon déportation immédiate, yo bon yon déportation qui déféré. Maître Lana Joseph, c'est un avocat immigration kap travay nan Atlanta avec nan Orlando. Yo déjà dit, yo très content que yo lagé yo et yo voulait pour capable aussi continuer ensemble avec conseil immigration et pour moun konsa yo tout qui gen pour fil pour asile qui gen un bon cas asile den yo gen un an de date que yo mette yo dehors pour capable remplir tout process a yo de quoi pour capable retourner pour capable continuer procès si yo pas fait ça den yo capable perdre bénéfice asile là tout. Dans jour qui passé autorité immigration autorisé en pile immigrant haïtien tant que citoyen l'autre pays entrer dans pays a en attendant un juge prend une décision définitive si oui ou non il a prêté aux États-Unis. Depuis ville Del Rio au Texas, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe et n'a pas font quitter Del Rio dans un petit moment bien que Del Rio toujours dans toute actualité en parlant de déportation, nous t'as parlé de envoyé spécial les États-Unis pour Haïti Daniel Foote qui lui-même bail démissionne et ça gain rapport tout avec ça qui a passé dans Del Rio et puis sous situation politique là dans pays d'Haïti et le département d'État qui recevra pile critique dans l'ambassadeur lui-même tout lui réagit. Sandra Lemaire gain détail sous question ça. Envoyé spécial États-Unis pour Haïti, ambassadeur Daniel Foote, bail démissionne jeudi pour protester contre façon administration Biden a géré crise migrants haïtiens qui sous frontière États-Unis ak Mexique là. Dans une lettre plusieurs médias publiés et qui adressée à secrétaire d'État Antony Blinken, ambassadeur Foote un diplomate de carrière que président Biden nommé nan posa nan mois de juillet a déclaré condition yo en Haïti était tellement mal que responsable américain ont été obligé rester nan building sécurisé seulement. Li di état de chaque pays a pas capable supporter paquet migrants sa yo k'ap retourné. États-Unis déjà voyé tourner Haïti 1401 migrants que yo ramassé dans camp qui en bas pont ville Del Rio dans Texas. Gen yo lot 3206 moun qui dans centre détention service immigration à la douane d'après département sécurité nationale là. Ambassadeur Foote déclaré inaptité, moins pas qu'à associer tête moins à décision inhumaine qui pas résoudre en rien pour déporter réfugiés haïtiens et immigrants illégaux. La Voix de l'Amérique mandé département d'État réactionner sous décision ça. Mais sa porte-parole Ned Price dit nous. Il y a plusieurs conversations haut niveau qui fait sous politique nous vis-à-vis Haïti, côté toute suggestion, parmi les suggestions envoyées spéciales Foote, te débattent pendant un processus transparent. Nous te décidé quelques suggestions, ça y a causé dommage à engagement nous prend pour une courir démocratie en Haïti. Et nous te rejeté pendant processus là. Pour monsieur dit que nous pas considérer suggestion lio du tout, c'est une déclaration qui est complètement faux. Moi pas entrer dans tout détail qui dans l'aide d'émission hein, mais moi t'a remé souligner que nous fait débat sous politique étrangère administration hein, tout temps sous divers sujets. Wall cabinet président avec conseiller lio, c'est bail président puis bon choix possible. Nous pas y aurait aucune idée, mais c'est pas toute idée ça yo qui bon idée. N'a fait face avec gros défis qui m'a des leadership. Li malheureux que au lieu li participer dans un processus cap chercher solution,
envoyé spécial Foote non seulement démissionnait, mais il a menti sous circonstances qui débouchaient sous démission ça. Il n'a pas profité d'une bonne opportunité pour soulever qu'est-ce que c'était vis-à-vis de migration et il choisit plutôt pour démissionner. Voix de l'Amérique demande à Maison Blanche en réagit sous démission ambassadeur Foote là tout. Mais sa porte-parole Jen Psaki répond nous. Premièrement, moi t'aimerais signaler que gain plusieurs conversations dans haut niveau qui fait sous Haïti côté toute suggestion yo parmi yo pas envoyé spécial Foote yo te débattre pour essayer déterminer qui politique n'a poursuivre. Gain désaccord pendant processus ça yo et président bien accueilli ça. Secrétaire d'État bien accueilli ça tout. Ça fait partie organiser une série discussions pour déterminer qui ça qui pi bon solution yo. Dans ces circonstances qui sont difficiles, il y a quelques suggestions qui partent en accord avec l'engagement États-Unis prend pour corriger la démocratie en Haïti. Moi, je ne vais pas plus de détails sur ça. Ma quitté département d'État fait ça s'il voulait. Moi, je vais souligner que l'envoyé spécial Foote a plusieurs opportunités pour soulever que ce télio par rapport avec question migration pendant mandat. Il n'a jamais fait ça. Bien entendu, ça n'a pas fait partie objectif en tant qu'envoyé spécial en Haïti. Nous considérons la position qu'il prend avec opinion importante et nous apprécions et nous écoutons. Nous prenons une décision politique qui est différente avec salité vlée dans quelques circonstances. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc nous voyons le dossier Haïti, surtout avec dernier développement ça, démission envoyé spécial États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, et ben ça crée un paquet tollé de la Maison Blanche à département d'État et tous les deux pas sous même ligne en parlant de Daniel Foote avec département d'État et la Maison Blanche quand on était well, Sandra Lemaire mettait accent sur le fait que département d'État réagit par rapport à question service que la Voix de l'Amérique là, même Jean tout avec la Maison Blanche qui réagit réaction tout dans pays d'Haïti gain professeur et Dieudonné Lérisson, qui est leader parti politique PLANSPA, qui fait connaître que démission diplomate Daniel Foote là, comme envoyé spécial et les États-Unis pour Haïti, eh ben, pas v'lé dit, en rien, pour yo, yon reportage, Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Rapport à façon autorité américaine yo, dans l'État Texas, déporté Haïtien yo en Haïti, professeur Dieudonné Lérisson, qui est président parti politique PLANSPA, mandé une solidarité internationale pour faire respecter droits migrants haïtiens. Nous mandé une solidarité internationale justement pour compatriotes haïtiens qui ont une réparation pour tout tort que autorité américaine yo fait yo. Autorité américaine yo, policiers américains yo, t'es sans pitié. Diplomate Daniel Foote, envoyé spécial les États-Unis en Haïti par rapport à crise politique là, remettre démission à cause situation ça. Professeur Dieudonné Lérisson, leader parti politique PLANSPA, dit ça pas veut dire rien pour peuple haïtien. Daniel Foote pas t'a bien résoudre crise haïtienne là. Crise haïtienne là c'est acteur politique haïtien yo, c'est élite économique, élite religieuse, élite intellectuelle, élite politique qui doit prendre une petite conscience pour comprendre, je dis à peuple haïtien, pas capable encore. Professeur Lérisson, quoi, c'est acteurs politiques, économiques et intellectuels qui pour mettre tête ensemble pour reconstruire le climat socio-économique et politique stable pour permettre à ce que haïtien suspendent à l'prendre humiliation dans le pays étranger. Les États-Unis d'Amérique ont déjà déporté plusieurs centaines d'Haïtiens, parmi eux, petits bébés qui ont essayé d'entrer illégalement dans le pays, les États-Unis d'Amérique. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Dans la question de quantité déportée que Haïti recevoir, mais dans micro et devant caméra, correspondant à Port-au-Prince, Massiado Vilmé. Directeur Office National Migration, Jean-Négo Delva Bonheur, présenté bilan et rapatrié institution à recevoir sorti dimanche 19 pour arriver mercredi 22 septembre.
ONM est arrivé à accueillir 3 vols sous Tamac, aéroport, Toussaint Louverture, à Port-au-Prince. Dans lundi, nous avons recevoir 2 vols. Dans mardi, ONM a accueilli 3 vols. Et hier, mercredi, ONM rivé accueilli 2 vols. Ce qui fait un total de 12 vols. Mais cependant, au niveau du cap hier, commencé à gagner tout des vols. Et nous avons recensé un vol au niveau de l'aéroport du cap. Qui te gagne la dernière, justement, 83 personnes et yo toutes, c'était garçon que yo t'es. Maintenant, nous recevons 12 vols de dimanche à hier, mercredi. Alors que jeudi, vol yo a continué. Mais pour 12 vols, ça yo, nous recevons, il fait justement un total de 1314 migrants. ONM accueilli 1314 migrants sortis dimanche pour arriver hier mercredi. Il était parti comme ça, ensemble de monde ONM était accueilli. 332 femmes, 545 garçons et nous avons recevoir également 404 timounes. Sans oublier les 83 hommes accueillis justement au Cap Haïtien, qui fait total de 1314. Donc c'était le directeur ONM, qui c'est Office National Migration dans le pays d'Haïti, en parlant de Jean Négo Delva Bonheur, donc et qui baille 1314 rapatriés que recevoir, parmi eux, tendez bien, plus passé 400 timoun. Ou sous la voie de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC, mettez Massou, mettez Pam. Une façon pour Massou, qui peut saluer tous les amis et Facebook, nous, qui peut suivre nous en direct. Et quand on a retourné dans Del Rio, il faut parler de Ponsa. Eh bien, c'est un pont qui relie Del Rio, qui est dans Texas, et puis Ciudad Acuña, qui est même dans Mexique. Et Konya nous pral tande yon annonce important, c'est yon compatriote nous, c'est Zidore Ignace, et ben kap cherche seul Ketia Zidore et li utilise la voix de l'Amérique pour faire passer annonce ça en tandel. Moi c'est Zidore Ignace et moi vini Del Rio aujourd'hui pour moi chercher seul qui c'est Mika Zidore avec Marily et puis deux timoun qui voyager depuis sorti depuis Chili, qui est dans Del Rio depuis vendredi, moi attendais de yo. Et puis, quand il y a là, moi à la recherche parce que moi pas attendais de yo depuis vendredi soir. Semblait que il pas encore process, c'est que s'il pas encore s'il te process déjà ou bien tu es à Haïti, tu as en relais. So, et ça fait moi voyager 18 ans pour moi sortir au Oklahoma pour moi venir là juste pour moi si moi qu'à joindre. Moi-même avec ma... Donc c'était Zidore Ignace qui a cherché Ketia Zidore qui c'est seul qui est avec Maril et deux petites donc quatre mondes qui a cherché. Donc si vous même autant des nouvelles de yo, eh ben on va aller sur Facebook, yo dit soit aller sur Facebook ou prendre Zidore Ignace et puis on va calmer et crainte et Zidore Ignace. Nous connaissons que la voix de l'Amérique, c'est ça qui fait nous passer à non ça parce que la voix de l'Amérique c'est voix tout et c'est voix nous toutes, et ces voix timoun yo, n'a pas se voir deux timoun 10 ans, yo même qui gen occasion pour rester sous territoire américain, donc yo pas déporté, en temps de joie yo, en temps de contentement yo, yo nan miko, envoyé spécial nous, Jean-Robert Philippe. Et moi, le l'aimam, gen 10 ans. Ou gen 10 ans. Et combien de temps, ou changez depuis qu'il a sauté Haïti? Pas fait Haïti. Ou pas fait Haïti? Non, c'est domaine même fait. Ou fait c'est domaine? Oui. Ok, d'accord. Dis-nous qui envoie la télé, parce que vous voyagez avec papa, fils aimé. Qui envoie la télé pour l'autre envoyer? Papa, dis-vous t'encourager dans le pilote fait voyage là? Oui. Bah, il n'y a pas tellement douce ou de la pas douce. Eh bien, si vous avez qui a pu s'agir opportunité, puis là, les soirs, puis là, les pour qui. De côté. Les difficile en pied. Tout le monde si c'est temps nous marcher 3 jours en barrage. Les river Miami
On va aller à la plage et puis m'a célébré pour qu'il m'arrive. Oui. Pas découragé et puis me connais pas privé. Et en vérité, me sorti ces domaines les t'es petit petit petit. Oui. Pas changer rien. Même. Même j'ai 10 ans. Vous avez 10 ans qui on est. Moi, le Wadley Fleurimont. Le Wadley Fleurimont? Wadley, est-ce que vous sortez en Haïti ou bien vous faites quand vous sortez? Haïti, je fais basique. Vous faites en Haïti? Haïti. Vous changez combien de temps? Vous changez qui a été gagné l'autre qui était Haïti? Dégué 9 ans, votre âge. Vous dégué 9 ans, donc vous faites quitter. Et qui est le premier pays qui est arrivé? Oui, même. Chili, basique. Ou le Chili. Et l'autre Chili, qui ça passe encore? Ah, je vis au Mexique. Vous vis au Mexique et puis de Mexique encore. Aux États-Unis. Est-ce que vous êtes content de faire que vous n'ayez pas au Canada? Pas de compte, Bassim. Pas de compte, Bassim. Pas de compte, Bassim. Pas de compte, Bassim. Et vous n'avez pas rentré aux États-Unis? Quand vous allez à la moi-même, je Florida. Je Florida. Vous avez une famille en Florida? Qui est en Florida? Moi-même, je suis en famille. Je suis toute bagaille. Vous avez toute famille. Ah, n'est-ce qui fait 7 pays à moi-même? 10 pays, je fais. Ok, d'accord. 10 pays. Ok. Content, hein? J'espère me faire mal. Ok, donc ça fait plaisir. Vous êtes content en ville? Ah, je suis content en ville. Vous êtes content? Passez bien en ville. Nous grands rooms, nous sommes dans le monde qui allait. Quand on sort en Haïti? Je suis Delmade, je suis tout côté. Oh, l'école, je vais vous parler anglais. Ok. C'est vrai, je vais me distraire, mais je vais me distraire. D'accord. Pour moi, je suis toute famille en Haïti. Femme en Haïti, maman, papa en Haïti? Maman en Haïti, papa en Haïti. Quoi maman y? Mais maman là. Oh. Ni boulot. Madame. Mais maman, pla, pla. Donc, Voix de l'Amérique, c'est Voix Timoun Yoto. Donc, deux Timoun qui arrivaient sur le territoire américain, qui sortit en bas pont del Rio. Et puis l'autre point d'actualité a gain en pile solidarité qui exprimé ici aux États-Unis et d'ailleurs d'après Pierre Espérance qui c'est un militant droit monde directeur exécutif et RNDDH réseau national défense droit monde dans pays d'Haïti il l'a passé l'a participé dans session ça l'a dit non plus grand solidarité au niveau congrès américain en pile congressman démocrate soit au niveau Sénat au niveau et chambre députée a yo prononcé sur dossier ça nous rencontré caucus là et lundi nous font un gros réunion avec yo et nous parler des questions situation politique en Haïti et comportement administration et Biden nan, qui a et boycotté qui a crasé tout effort haïtien a fait pour mettre ensemble pour une solution à la crise parce que après assassinat yo venait pas une solution et une solution ni institutionnelle ni constitutionnelle mais c'est américain yo qui a boycotté tout effort et nous poser problème et haïtien et traitement ça qui administration a bail et yo même tout yo gen pile là-dedans qui fait tweet gen là-dedans qui fait note et gen en pile là-dedans qui prend position publique et yo montré yo solidaire et gen un effort qu'a fait pour gen audition au niveau et ça nous relé hearing au niveau congrès et vendredi sous dossier ça et n'a prendre est-ce qu'on a eu une oui m'a là OK jour américain et quitter haïtien et décider pour pays yo suspendi et m'a parlé autorité américaine yo suspend diviser haïtien yo et pour nous créer une stabilité en dans pays a haïtien pas pral vinn pas pour humiliation ça yo. Donc c'était Pierre Espérance directeur exécutif RNDDH réseau national défense droit monde dans pays d'Haïti et d'après Saldino la pral participer dans une session et demain et qu'on y a nous pral dans Canada avec journaliste Wilfried Estimé qui a ban nos réactions communauté haïtienne dans Canada. Voyager ou soit choisir